Depuis le 31 octobre 2021, Harry Habitant est dans la tourmente. Pour cause, l'humoriste est accusé de viol par une jeune femme âgée de 23 ans. Pour ces faits, il a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Depuis, celui qui est également comédien se fait discret. Dans les colonnes de Télévision Magazine, mercredi 13 juillet 2022, il a pu compter sur un soutien de taille en la personne d'Elie Semoun. L'humoriste a évoqué le cas d'Harry Habitant et lui a apporté son soutien. Si est-il terrible, car il est en train de purger sa peine alors que la justice n'a pas encore rendu son verdict. On est dans une société très manichéenne avec les gentils et les méchants, ceux qui font bien de l'humour et ceux qui le font mal. Visiblement, le second degré se perd. A-t-il lancé. Si certains pensent qu'il n'est plus possible de rire de tout, Elie Semoun a assuré qu'il n'avait pas le sentiment de devoir se restreindre. Elie Semoun pourrait reformer son duo avec Franck Dubosc, mais je reviens du Marrakech du rire et on doit faire attention à ce qu'on dit devant le public marocain, pas de sexe, pas d'allusion à Dieu. Si est-il à l'image de la société actuelle. Combien d'artistes ont été censurés ou obligés de s'excuser, comme Norman, accusé de racisme, ou Artus, éjecté de TikTok après une blague sur le handicap. Je me dis aussi qu'on ne pourrait plus faire la moitié des petites annonces, a-t-il encore expliqué. Seulement, il pense pourtant à recommencer les petites annonces avec Franck Dubosc. De quoi faire plaisir à leurs fans.